Ciao amore, come stai? Sì, sono a Parigi adesso. E questa sera vado al show di Isabel Marant, non vedo l'ora. Ok, ti lascio perché devo prepararmi. Sì, sono un po' in ritardo. Ok amore, ciao, ciao, grazie, a dopo. Bon, les vogues, on y va? L'étape numéro uno, c'est le make-up. On va faire une bouche rouge qui, je pense, ira très bien avec le look de ce soir. Et voilà, un petit peu de eyeshadow. On va essayer de rester naturel. Et pour les cheveux, bah voilà, comme ça, hein, sortant de la douche, cheveux naturels. Histoire de ne pas en faire trop, parce que la femme parisienne, c'est une femme qui est avant tout naturelle et effortless. On voit très bien la française qui se maquille à peine, qui a les cheveux décoiffés et qui est juste parfaite comme ça. Et après, t'as l'italienne, c'est l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que les italiennes, elles sont super exubérantes. Elles ont toujours le maquillage un peu parfait avec ces espèces d'eyeliner super impressionnants. Je vois vraiment ces deux choses complètement différentes. Make-up done. Ta-da! Et maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 2. Et c'est le look. J'ai pris plusieurs options parce que, évidemment, je suis très indécise. J'essaye tout avant le show et on choisit celui qu'on préfère. Mais avant toute chose, ça va être la commande de la pasta. Oui, bonsoir, chambre 361. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, des spaghettis pomodoro? Deux personnes. Si, pour deux personnes. Si. Merci beaucoup, à tout de suite. Premier look, je vais essayer ça ensemble avec la ceinture et les bottes blanches. Ça, c'est le deuxième look. Je dois dire que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Lupo, che preferisci tu? Il rosso. Il rosso, anche tu, come il papa. Moi, j'ai une famille où les femmes adorent la mode. J'ai une grand-mère qui est hyper chic, hyper coquette. Depuis toute petite, en fait, je lui prends ses fringues. Je m'amusais à les découper et les refaire sur moi. Tadam! Très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, la mode, je trouve que c'est un vecteur pour communiquer beaucoup de choses. La liberté, le fun, la beauté, la joie, l'extravagance. Amore, la pasta arrivata! Un peu de parmesan. Parmesan. Moi, je suis italien. Le gruyère, c'est très français. Moi, j'adore quand ils mettent du gruyère, mais en Italie, les pâtes, ça se mange avec du parmesan et basta. Santé, mon âme. Roberto, amore, tu non puoi mangiare la pasta. On y retourne? Ha! Je suis confortable. Il y a de l'espace, j'aurais pu manger encore plein d'autres pastas. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est très cool. Oui. On prend ça. Bon bah, voilà. Hein. Mon style, c'est un grand mix entre la France et l'Italie. J'adore être confortable, je porte très rarement des talons hauts, j'aime pouvoir courir et être à l'aise dans mes vêtements. Mais si j'ai une soirée un peu importante, je vais être la nana qui sort avec la robe à paillettes, hyper extra. On va dire que je suis très française du lundi au mercredi et du jeudi au samedi, je commence à être un peu italienne. Il est temps d'aller au show parce que sinon on va être très en retard. Amore mio, ho finito, sono pronta. Ciao. Ma potete avvisare tipo? Ciao. On est arrivé au show Isabel Marant, en toute simplicité. Tranquillement. Comment faire semblant que je n'ai pas ça derrière moi? Merci beaucoup Vogue de m'avoir suivi et don't forget to subscribe.